Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue ici au Stade de France, 32e de finale de la Coupe de France et le Red Star Club de National qui reçoit l'Olympique de Marseille pour l'affiche peut-être de ces 32e, même si c'est vrai que le Red Star aujourd'hui évolue en National, mais on joue au Stade de France, cette enceinte mythique. Pour commenter cette rencontre, Jean-Charles Debono est à mes côtés. Salut Jean-Charles. Salut Sébastien. Récupéré avec Benoît Chéreau, ça rappelle de bons souvenirs, hein, le Stade de France. Ça fait deux années qu'on y est. Attention à ce double 1-2 avec Jordan Ayew, le ballon qui est contré et on réclame une main. Ouais, je pense qu'il y a une petite main quand même, que, même si c'est involontaire. Oh, attention au contre derrière, rapidement mené. Oh, il va très très vite. C'est toi, tu milieu de terrain, Odonien qui est en train de mettre le feu dans cette défense marseillaise. Attention avec ce duel et la parade. La parade de Steve Mandanda, quelle action de Toiti, me semble-t-il, qui a traversé toute la défense de l'Olympique de Marseille et qui est venu se heurter à Steve Mandanda, la plus belle occasion pour cette équipe du Red Star. Effectivement, regardez ce ralenti, il est magnifique. Alors il fixe la défense marseillaise, il arrive quand même à s'incorporer dans cet axe et surtout à fixer ses défenseurs centraux et puis surtout à les éliminer et mettre une superbe frappe. Alors c'est assez dangereux. Mais attention à ça, il ne faut pas laisser de liberté. C'est bien joué ça avec Jordan Ayew dans la surface de réparation. Il a complètement manqué sa frappe alors qu'André Ayew était absolument tout seul au point de pénalty. On va peut-être mieux le revoir. Ouais, on va se plaindre du pied, il n'y a aucune force dans sa frappe. Son frère lui demandait le ballon dans l'axe. Peut-être une autre possibilité de pouvoir le jouer. Peut-être là avec André Ayew, il a peut-être rentré dans la surface de réparation. Le 2, c'est bien joué. Oh, le poteau qui vient sauver Gorgelin. Ah, c'était une partie de billard. Et je crois bien que c'est Abadi, Sébastien, qui... regardez, alors déjà, c'est les deux frères Ayew. L'une de Lucho, c'est Abadi qui revient pour se replacer, qui tape ce ballon. Et Peralta qui tente des coups et des dribbles surprenants. Bien joué, ça c'est parfaitement joué. Ah, il faut s'appliquer sur le centre, la reprise. Oh, la parade de Gorgelin. Ah, je ne sais pas, Sébastien, s'il n'y a pas une nouvelle fois une main. Oui, mais les joueurs. Jimmy, il a laissé, voilà, le signe de. Voilà, exactement, Jordan Ayew qui signifie la deuxième main. Regardez, on la voit. Alors, on n'a pas très bien vu et il a certainement laissé aussi l'avantage pour Mathieu Valbuena. Ah, attention, peut-être avec Morel à nouveau. Ayew, 5 joueurs donnés autour de lui, Benoît Chéreau, la frappe de Chéreau. Gorgelin là-dessus. Regardez. Alors là, qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a pas de solution? On tente la frappe lointaine qui était bien essayée de la part de Benoît Chéreau, du pied droit notamment. Attention avec ce ballon avec Caspilicueta, la sortie de Gorgelin, c'est pas terminé, la frappe et l'ouverture du score signé Jordan Ayew, c'est fait après 41 minutes de jeu ici au Stade de France sur ce ballon dégagé par la défense du Red Star et notamment Gorgelin. Eh bien, il était là une nouvelle fois. Jordan Ayew, buteur. Ouais, il fallait être opportuniste. Regardez cette action déjà au départ. Ce ballon donné pour Azpilicueta qui va s'infiltrer, passer dans le dos, se centre et puis le gardien contre. Et on voit Jordan Ayew qui se projette et qui frappe ce ballon dans le but du Red Star. Et ça fait 1-0 pour l'Olympique de Marseille. Très opportuniste, le jeune joueur marseillais. Bien joué le décalage pour Azpilicueta. Allez, ce ballon de Lucho qui va le mettre au-dessus. C'était bien joué. C'est pas André Ayew, c'est Lucho. Ouais. Regardez le ballon dans l'intervalle de Chéreau déjà. Il se sent sans contrôle en retrait, qui surprend tout le monde. Et malheureusement, le ballon est trop élevé. On part de Lucho, cette frappe passe au-dessus. Donc je vais. Attention, attention à ce contre. Il entend du soutien, il est pas signalé hors jeu. Steve Marley, la parade de Steve Mandanda à nouveau. Oh, décidément, il est décisif à chaque fois qu'il doit intervenir. Il donne, voilà, la ruse de Steve Marley. Peut-être qu'il a eu le temps de... pour faire autre chose. On va vraiment réussir à mettre ce deuxième but pour se mettre à l'abri et dérouler tranquillement, profiter de l'ambiance ici au Stade de France. Il est passé à nouveau André Ayew, il peut centrer tout seul Mathieu Valbuena et le deuxième but
Le deuxième but marseillais signé Mathieu Valbuena. Un gros travail hein, d'André Ayou, regardez, entre trois joueurs, il se bat la combativité, mais surtout ce centre piqué au second poteau où il trouve Mathieu Valbuena qui tente de s'envoler, qui doit la réussir. Et voilà, celui qui délivre l'Olympique de Marseille pour le second but et qui met à l'abri hein, quasiment les joueurs de l'OM. Regardez, même s'il n'a pas très très bien, c'est assez suffisant pour aller marquer ce deuxième but. Toujours cette adresse. Cette qualité de centre qui est... Attention quand même à ce ballon perdu. Et ballon capté, bien joué par Steve Mandanda. Sans trop de difficultés quand même. Ouais, c'est Fardin qui avait... Regardez. Avant cette frappe, ouais, était cadré. Belle détente. Hein. Ouais, c'est Fardin qui frappe et Steve sans difficulté se projette sur ce ballon. Bien, tout est réussi. Même si la logique est respectée pour les Parisiens. Ah, oui, faute, ouais. Ouais. Alors, si vous voulez mon avis. Ah, de la faute. C'est quand même imbécile hein, de la part de ce milieu de terrain du Restart. Ah, oui. C'est André Ayou qui le frappe et le troisième but. Eh bien, on voulait le troisième but. On voulait le but d'André Ayou. Il est passeur, il est buteur. C'est un joueur, on vous le disait, important dans cet effectif marseillais. Eh bien, il le démontre une nouvelle fois ce soir. Ça fait 3 buts à 0 pour l'Olympique de Marseille. Croyez-moi, Sébastien, le dirigeant, regardez ce coup franc. C'est bien frappé, il surprend. Déjà, il lobe ce mur et puis il le met au deuxième poteau. Très, très bien frappé. Il y a la puissance, l'adresse. Le gardien ne peut absolument rien. Ça donne encore plus de regrets aux dirigeants marseillais, à l'entraîneur marseillais, bien sûr, de voir partir ce joueur à la canne. C'est les grands clubs. Attention, peut-être avec Jordan Ayou, Chris Gadi. C'est dommage, il est glissé. Ça va être difficile. Avec Aspilicueta qui peut centrer, ballon boxé. Par gauche, je ne laisse pas terminer. Le quatrième but. C'était normal pour Benoît Chéroux. Quatre fois directement sur Gorgelin. Il fallait un moment ou un autre qu'il me la mette ailleurs. Eh bien, je vous le disais, il fallait qu'il vise les lunettes. C'est fait, c'est pleine lucarne. Ça fait 4 buts à 0. Et la fête est belle. Et regardez le sourire avec son équivalent. Regardez déjà la combativité de Jordan Ayou sur ce ballon. Puis l'intelligence de pouvoir sortir ce ballon. Et puis après, on voit le petit centre de une nouvelle fois d'Aspilicueta. Et puis cette superbe reprise au volet. Superbe frappe de Benoît Chéroux qui va se loger quasiment sous la barre transversale. Sébastien, vous êtes déçu que tous les Africains vont partir. Attention à ce ballon, le cinquième but. Le cinquième but signé Jordan Ayou. C'est bien, il reste sobre Sébastien. Ouais, oui, c'est voilà, très très bien. Plus d'expression de joie, d'humilité. C'est sympa. Oui. Et ça fait 5 buts à 0. Voilà, on va perdre ce joueur, ce buteur. Qui ont marqué un doublé ce soir, ouais. Le jeune Jordan Ayou. Frappe croisée, regardez, il reste modeste, il reste, le ballon était très bien donné. Une nouvelle fois, Aspilicueta qui se trouve sur le côté droit et qui donne ce ballon de but qui aurait été très très bon. Voilà, c'est terminé. Ouais, c'est fini. La victoire de l'Olympique de Marseille, 5 buts à 0.